chaîne pour le Monday Tag. Alors, je vous explique. J'ai eu un problème. C'est que ma vidéo était tournée. J'avais fait la vidéo pour le tag de la semaine. C'était le thème vintage. J'ai fait une vidéo décoration d'un cœur en or. J'aurais pu vous l'amener. Je l'ai mis sur Instagram pour la fête des grands-mères. Dimanche, et là on est samedi. Ma vidéo du monde des tags était prête je regarde si ça marche. Et j'ai eu un problème. Ça pendant que je tournais ma vidéo cœur là, fête des grands-mères, là ça a coupé. Bon, j'ai cru que c'était moi qui avais fait une fausse manœuvre, et en fin de compte, j'ai l'impression que c'est ma carte SD qui est morte, je sais pas, elle est pas reconnue, on l'a enlevée, nettoyée, nanana, on l'a remis dans l'appareil, dans le téléphone, et ça, y a aucune trace d'elle. Et tout à l'heure, je regarde pour la vidéo de lundi, bon, et je vois qu'elle n'y est plus, et parce que j'ai enregistré tout à l'heure, oui, c'est logique, ça n'a pas marché, et une autre que j'avais fait, j'avais quand même 3 vidéos d'avance, et une autre qui est partie aussi. Elle est plus dedans, donc ça part. Parce qu'en général, mes vidéos, elles vont dans mon téléphone qui a suffisamment de mémoire. Donc, celles-là, elles étaient parties sur la carte SD. C'est rare parce qu'en général, il faut le préciser. Voilà. Et puis, je la retrouve plus. Donc, ma carte SD, elle est dans le téléphone, mais ça ne reconnaît pas la carte, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer mon petit tag que j'ai fait. Vous donner le thème du prochain, de lundi prochain. Le thème de lundi. C'est nul, hein, franchement. Bon, ça m'énerve. Bon, c'est la première fois qu'il me fait ce truc-là. Ma carte SD, j'ai été regarder, je l'avais pris sur Amazon, et elle a quand même 5 ans. Mais alors, savoir ce qu'il y avait dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait dessus. Ça m'embête parce que quand il y a. Bon, et Philippe me dit que ça peut être détérioré et être foutu, quoi. Je savais pas qu'une carte SD. Voilà. Donc, alors, je vous passe sur mes mains. Alors, bon, je peux vous montrer comme ça. Voilà le petit tag vintage que j'avais fait. J'ai fait ça avec les petites images que m'a envoyé. J'ose pas prendre quelque chose, tout va tomber. Ce que m'avait envoyé Eve. Ne quittez pas. Voilà, et là je peux mettre pause et tout. Je pouvais même pas supprimer des choses ni mettre de photos. C'est très bizarre. J'ai cru que c'est mon téléphone qui cafouillait. Apparemment, c'est ma carte. Vaut mieux ça. Une carte, c'est pas cher, mais bon. Eve m'avait envoyé ça. Et j'ai donc découpé une petite bonne femme, là, un peu steampunk. Vous voyez, elle a des rouages là. J'en ai mis là. Je me suis servi de mon beau tampon que m'a envoyé Sylvie. Voilà, le petit rouage. Petit papillon. Voilà, c'est tout. Donc, j'avais fait mon petit tag vintage. Et je n'avais pas fait avec du marron. J'avais fait dans les roses. Pour changer. J'ai dit, justement, je voulais pas mettre de marron, quoi. Bon, c'est foutu, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je vous donne le prochain thème. Ça fait pas beaucoup de choses, hein, mais bon... Je vous donne sur ce le prochain thème qui va être. Donc, ça sera le 13 mars. Ça sera l'avant-dernier. Ça m'énerve, c'est le coup de la vidéo que j'ai effacé. Souvent, quand on fait une vidéo, on fait le montage, tout ça. Bon, voilà, on passe du temps quand même. Enfin, moi, personnellement, je passe du temps. Hein. Il y en a, ils passent pas de temps, mais moi, je passe du temps à faire des petits trucs, des petites musiques, des petits machins. Ça prend du temps. C'est foutu. Alors, ce sera donc le 13 mars et ce sera le thème printemps. La saison printemps, on n'en est pas loin. Donc, alors, le style que vous voulez pour le printemps, hein, ce que vous voulez, shabby, vintage, enfantin, kawaii, je ne sais pas ce que vous voulez faire comme style. Ce que vous voulez. Et donc, le printemps. Et puis après, il ne restera plus qu'un seul tag à faire. Voilà. Alors, je profite puisque je fais une vidéo.
De vous dire qu'au mois de mars, là, on va avoir fini bientôt le défi de février qui était l'ATH. Et j'ai dit que je finissais le 5 mars. Bon, à l'issue, je ne sais pas quand est-ce que ça tombe le 5 mars, un mercredi, je pense. D'ici la fin de la semaine prochaine, je ferai un tirage au sort pour des tampons à gagner. Alors, bien sûr, ça sera quand même. Ça s'adresse quand même aux gens qui auront fait l'ATH, hein, je vous le dis toujours, parce que c'est plus normal de faire un petit cadeau à quelqu'un qui a fait le défi que quelqu'un qui l'a pas fait, quoi. Hein, c'est un peu logique, quoi. Donc voilà, bah donc attendez, hein, je réfléchis. Je réfléchis. Non, on fera autrement. Sur la prochaine vidéo, je vous dirai de mettre un commentaire, mais pas sous celle-là, parce que c'est trop loin. Donc, d'ici là, il y aura une autre vidéo, et puis je vous dirai de mettre un commentaire pour justement pouvoir faire ce tirage au sort. C'est quoi ça? Ah ouais. Oui, c'était pour vous dire que en février, mars, il n'y aura pas de défi. Je ne ferai pas de défi, parce que déjà, j'ai pas l'idée. J'avais pensé au thème, parce qu'il y a la journée de la femme, le 8 mars, voilà. Mais le support, je ne sais pas. J'ai pas envie de faire un ATC. Il y a un 3T, mais je pense pas que le thème se prête à ça vraiment. Je vois pas trop ça et ça. Et puis, je vous avoue que quand je fais les challenges plus défis, ça fait beaucoup. Donc, parce que je réponds, je partage, tout, ça fait quand même. Je réponds aux mails. Ça fait beaucoup de manip et du temps aussi passé. Je peux pas, j'ai d'autres choses à faire. Donc je pourrais pas. Mais il y aura quand même le nouveau challenge, le challenge du printemps, puisque j'avais décidé de faire un challenge à chaque saison. Donc quoi que l'été, j'en sais rien, on verra, mais je suis pas certain. On verra pour l'été, je sais pas. Enfin bref. Je viens juste d'avoir une idée en vous disant ça l'été, il y aura un truc sympa à faire, mais bon, on verra. En attendant, il y aura le challenge quand même du printemps. Voilà, qui se terminera à la fin du printemps. Je ne sais pas quand est-ce que ça se termine. Le 21 juin, un truc comme ça. Donc on a le temps de le commencer. Et je vous parlerai de ce challenge prochainement. Je pense que je le ferai partir quand même style le 18, 19. Mars, quoi, à la date du printemps, quoi. Voilà, on verra. Ça sera aussi une créa par semaine aussi. Voilà, en espérant que ça soit pas trop lassant. Je sais pas, on verra. Mais donc, il n'y aura pas de défi en mars. En avril, il y en aura peut-être un parce que c'est Pâques. Voilà, mais pour l'instant, je vous avoue que je suis pas trop, vous voyez, même là en ce moment, j'ai pas trop fait cette semaine. Je suis pas trop en train de faire des vidéos. J'ai des choses à terminer, j'ai mon petit junk à finir, j'ai d'autres choses à faire, hein, mais j'arrive pas trop à m'y mettre. Puis c'est, j'ai d'autres choses à faire et je les fais pas, et je reporte tout. Donc, YouTube n'est pas tout, ce n'est pas tout dans la vie. Voilà, et voilà, c'est tout. Donc, je vous reparle du challenge prochainement. Des vidéos, il y en aura prochainement aussi. Et puis, il y aura déjà le Monday Tag pour le dernier. Donc, je vous rappelle, le 13 mars, ça sera le thème printemps. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. Je vous ai à peu près tout dit. Allez sur si vous n'avez pas Instagram, installez-le. Ça va vite à faire. Rejoignez-moi, c'est Coltou Partout. Santé au bout. Coltou Partout, c'est phonétique. Il n'y a pas d'orthographe. Il ne faut pas le conjuguer ou ce que vous voulez. C'est comme ça se prononce. Pas de thé au bout. Parce que sinon, vous risquez peut-être de ne pas trouver, je ne sais pas. Bah, rejoignez-moi sur mon Instagram si vous voulez. Parce que j'y poste des photos, des créas que j'ai fait. Justement de ce que j'ai fait pour la fête des grands-mères, là. Un hommage à ma grand-mère. C'est dommage. Ça n'a pas filmé. Et encore, je croyais avoir un bout, et puis j'ai dit tant pis, je reprendrai la vidéo, je filmerai la fin, quoi. Mais il n'y a même pas, ça n'a même pas pris du tout. Enfin, je pense que c'était sur la carte SD, mais bon, voilà quoi.
Et ben, vous voyez, tout était sorti, c'était plein de dentelles. Il y avait plein de dentelles. Je vous le montrerai, de toute façon, une prochaine fois, je vous le montrerai. Parce que là, il est là-bas, il faut y aller chercher, enfin bref. Donc voilà, et ben, écoutez, c'en est tout pour mes vidéos. Je vous retrouve très bientôt, et puis on parlera du fait de mettre un commentaire sous la vidéo pour que je puisse faire le tirage au sort. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.